Nous allons chanter ce cantique qui dit qu'il a un remerciement à Dieu. Amen. Le cantique dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Je veux simplement te dire merci. Aïe, la go, aïe. Aïe, Jésus, aïe. Aïe, y'a mon souillon, aïe. Allez, y'a nous, y'a nous, y'a nous, y'a nous, sur moi. Alléluia. Ils ont tous voulu m'enterrer,
ne l'ont pas pu. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Ce matin, l'homme de Dieu est encore là au milieu de nous. Amen. Pendant que nous serons en train de chanter ce cantique, nous allons tous profiter pour faire nos offrandes. Amen. Aïe, Jésus, aïe, que vous dites. Aïe, Jésus, aïe, thank you.
Vous savez, si le prophète le permet, les offrandes et la dîme font partie de l'adoration. Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on dit les données, qu'on le fasse avec joie et avec empressement. Amen. Amen. Lydie, à cause de ce qu'il fait, c'est ce qu'elle faisait comme offrande, comme don, ça lui a permis la résurrection. Alléluia. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ces offrandes. Souviens-toi de Mardoché. La Bible déclare que Mardoché a fait du bien. Il avait déjà un plan. Il devrait coûter la vie au roi Assyrus. Et lorsque une nuit, le roi fut troublé, ô Seigneur, et il a pris le livre des annales et il s'est souvenu de l'acte que Mardoché lui avait posé. Et il a dit, qu'est-ce qu'on a pu faire pour cet homme qui m'a fait du bien? Ô Seigneur, ceux que tu as à ses côtés ont dit rien. Il a demandé, mais qui est dans la cour? On dit, c'est Aman. Il a dit, faites-le venir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un tel monsieur qui a fait du bien à son serviteur? Il dit, ô Seigneur, ô roi, qu'on lui porte l'habit royal, qu'on le mette sur un cheval et qu'on puisse le faire traîner dans toute la cour. Ô Seigneur, et le roi dit, Aman, toi qui es l'ennemi de Mardoché, que tu le fasses, que tu le fasses. Père, je prie, que en souvenance des actes, des offrandes que tes enfants ont eu à poser, Seigneur, je prie que le manteau royal leur soit recouvert dans le nom de Nazareth. Et que chacun d'eux puisse être établi sur un cheval blanc, afin que Dieu de gloire se souvienne d'eux. Et que ce soit leurs ennemis qui sont devant d'eux, en les traînant, en les conduisant, en criant, ô Dieu de gloire, et que les ennemis soient traînés, et que les enfants soient relevés pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous avons reçu. Que tout le monde dise Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame plus fort Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il est encore là au milieu de nous. C'est le serviteur de Dieu, le canal par lequel Jésus veut passer pour opérer ton miracle. Ce matin, j'ai l'honneur de te présenter le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasseur, Shalom. Acclame Jésus plus fort. Plus fort que ça. Encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Merci de nous conduire. Et merci de bénir ce moment. Et merci et c'est dans le nom de Jésus que je priais, on dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Nous saluons la présence de notre Dieu, de sa présence. Ceux qui sont là pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui ont l'habitude de venir aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes un ministère prophétique. Ça veut dire quoi? Le prophète, c'est un voyant. Le prophète est un guide spirituel. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence entre le pasteur et le prophète. Le prophète, il n'agit pas dans le système humain. Il se laisse conduire par l'esprit. Et par moments, il n'est pas compris. Et on a l'impression qu'il ne nous voit pas. Et ça crée des choses. Ce matin, j'ai été informé d'une situation où d'autres ont commencé à bouder. Je vais vous expliquer des choses claires. Il faut qu'on se comprenne très bien. Sinon, vous et moi, on risque de faire des crashs. Et ça ne va pas t'aider, ça ne va pas m'aider. Et vous êtes ici, pas pour un touriste à Divo. C'est vrai que par moments, je vous comprends. Mais laissez-nous vous aider. C'est pour ça que je vais prendre des principes bibliques avant de parler. Je vais me baser sur la Bible. Ce n'est pas du commerce qu'on fait ici. D'ailleurs, les huiles là sont en vente. Je peux dire à chacun, prends deux, trois, puis je prie, c'est vous. Je peux le faire. Puisque c'est en vente, si c'est du commerce, je peux me asseoir là toute la journée en train de vous demander de prendre des bouteilles, prêter, on va prier pour vous. Je suis prophète. Et j'ai envie de t'aider. C'est pour ça qu'ils ont le secret. C'est vrai qu'à 5h du matin, j'ai programmé, il y a deux personnes qui doivent mourir. Et j'ai reçu le dossier de ces deux personnes. Je tente de traiter avec Dieu dans le secret. Amen.
Vous comprenez? J'étais en train de régler ça. Dieu et moi, on est en train de changer certaines choses. Vous êtes ici à la fois. La chose est d'abord, ça dit c'est là-bas. Une fois que ça a été validé, moi je vais t'imposer la main. C'est pour cela qu'on allait écouter les Saintes Écritures. Vous allez écouter la parole de Dieu. Vous prenez 1 Timothée, le chapitre 5, à partir du verset 22. 1 Timothée 5, le verset 22. L'apôtre Paul est clair là-dessus. 1 Timothée 5, 22. C'est pour cela que je suis le genre de personne, quand je dis Dieu m'a dit, il m'a vraiment dit. Je ne suis pas des petits marabouts entre quatre murs qui sont en train de parler parce qu'on veut de parler, ou ils parlent, Dieu a dit dans des révélations. C'est pour ça que je n'aime pas familiariser mon ministère. Ici, là. Le monsieur, vous voyez ici, il y a longtemps que nous sommes ensemble, il est le responsable de la confédération. Ce n'est le responsable, je le dis spirituel. Il n'y a pas longtemps qu'il a fini sa consécration. Je n'ai pas encore consacré sa maison, vous comprenez? Armel, c'est mon chargé de communication. Sa fiancée a un problème spirituel. Elle est musulmane. Elle a été consacrée par l'esprit des eaux. Ils sont en train de faire sa délivrance. Hier même, elle est tombée la dernière fois. Mais elle, je ne l'ai même pas encore reçue, même à mon bureau. Même chez moi à la maison. Je ne l'ai pas encore reçue. C'est pour dire quoi? Pas parce qu'on est ensemble que je suis obligé d'intervenir. Je suis le genre qui aime écouter la voix de Dieu. Prenez la Bible, 1 Timothée 5, le verset 22. Je ne suis pas marabout, je suis désolé. Je suis serviteur de l'Éternel. Et la particularité de notre ministère, c'est la destruction des œuvres, la sorcellerie. Ce n'est pas un petit ministère, c'est pas. Ouais. Le chapitre 5, 1 Timothée 5, le verset 22. Ok, si vous êtes, allons-y, la lecture. N'impose les mains à personne avec précipitation. N'impose les mains à personne avec précipitation. L'apôtre Paul est en train de former Timothée. Timothée qui la relève, il dit n'impose les mains à personne avec précipitation. Écoutez très bien. Et le voilà. L'imposition des mains, c'est biblique. C'est pas parce que je te vois que je dois forcément n'impose les mains à personne par précipitation. Dès qu'on va, non. Qu'est-ce que Dieu m'a dit avant de t'imposer la main? C'est pour ça qu'allons-y dans Jean le chapitre 2. Il faudrait que vous maîtrisez le ministère des prophètes, sinon ça risque de vous faire des problèmes vous-même, parce que moi, vous ne pouvez pas m'avoir. J'ai fini par comprendre que j'étais en train de régler quelque chose avec ma fille dans le bureau. Elle est en train de pleurer parce qu'il y avait une situation. J'ai dit, le monsieur que tu entends envoyer là, son papa l'a déjà mangé. C'est celui que j'étais en train de prier. Et vous êtes pressé pour partir. Vous partez là, quelle est la solution? Ça règle vos problèmes? Donc j'ai dit à la soeur, est-ce que ça règle le problème? Non. Mais pourquoi prendre telle décision? Comme depuis, tu ne nous as pas encore reçus, mais justement, je t'ai invité chez moi à la maison manger. J'ai vu la situation. Je ne suis pas un marabout, un charlatan. Et puis imposer les mains en même temps. Non! Il faut que Dieu me parle, qu'il me dise quelque chose pour que j'intervienne. Oui, ce n'est pas question parce que c'est crassou, que ça doit partir du tic au tac. Moi, je dépends d'une autre force que la force de Dieu. Ce n'est pas une question de crasseau qui doit forcément faire quelque chose. Regardez un peu Jean, le chapitre 2. Je vais vous expliquer quelque chose. Jésus a eu un problème. Non, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Je donne le verset avant de commencer. Jésus a eu le problème avec sa première. Il a eu ce problème avec sa maman. Va me prendre de l'eau. Je suis en train de faire ta sauce. Et tiens, il fait l'étape. Va me prendre les charbons. Maintenant, l'ancien territoire de Jésus. Jésus maintenant va intervenir. Amen. Voilà. Écoutez très bien. Le verset 1, ça va nous intéresser. Jean le chapitre, l'évangile de Jean, le chapitre 2. Écoutez très bien la parole de Dieu. 3 jours après, il eut des noces à Cana. Vous savez, ici, c'est quoi? Quand d'autres personnes sont habituées à aller consulter chez les marabouts,
Donc à un moment, ils sont perdus, ils ne se retrouvent pas dans ce ministère. Je vous comprends. Mais laissez-moi vous enseigner. Partout, il y a un système qui est mis en place. Et je vous informe ici que c'est le système spirituel de Dieu. C'est Dieu. C'est basé sur les saintes Écritures ici, notre ministère. C'est un ministère évangélique. C'est un ministère biblique. Ça n'a rien à voir le maraboutage et tout ça. Toutefois, que j'ai dit aux gens, quand j'ai vu quelque chose, je m'ai déterré. Il y a des gens qui ont déjà vu des choses chez eux. Mais je ne sais pas encore aller parce que Dieu ne m'a pas encore dit d'abord dans la permission du parti. Parce qu'en allant, je peux vraiment avoir des problèmes. Allons-y, le chapitre 2. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Oui, il y a eu un mariage. La mère de Jésus était là. La maman de Jésus était même là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec Jésus. On a invité Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus. Il ne manque plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus a regardé. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a beaucoup à me donner des instructions. Ce n'est pas question des maisons où c'est la cuisine, qui s'en t'envoyer des aubergines. Tu sais, elle s'avait convaincue que Jésus pouvait faire un miracle. Elle était convaincue que Jésus-Christ pouvait maintenant intervenir. Donc elle donne les instructions à Jésus. Jésus dit, stop. Tu n'as pas à me donner des instructions. Ce n'est pas à toi de me dire. Même si on est en santé, je sais que tu es ma fille, mon frère. Ce n'est pas à toi de me dire, il faut prier pour telle personne. Non. Et si c'est ça, toi et moi, on fera clash. Parce qu'en fait, je vous aime tous. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Mais je suis, c'est quand je dis aux gens, je dis souvent, je suis là, mon esprit en combat quelque part. En face d'une situation, qu'est-ce que Dieu me dit? Alors Jésus dit, femme, sa propre mère biologique, sa maman, il la met dans une position de d'homme, pour dire, tu es femme, c'est Dieu, tu es femme. C'est vrai, je te respecte qu'on a la maison, mais ce territoire-là, c'est un territoire trop spirituel, et c'est pas à toi de m'orienter, de me guider, femme. Allons-y, quel est le rapport, c'est ça? Y a-t-il moi et toi, ce n'est plus toi qui dois m'orienter, me guider. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus est clair, il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Permettez au prophète de Crasso de vous aider. Amen. S'il vous plaît, je ne suis pas ce genre-là qui a même attiré la faveur des gens. Si je ne suis pas convaincu d'une situation, je laisse la situation tomber. Si je ne suis pas convaincu d'une situation, je laisse ça tomber. Mais le combat, dans 2 semaines, 3 semaines, le prophète est un guide spirituel. Je vous comprends, vous fréquentez les pasteurs et vous parlez. Il y a des ministères où tu viens, on te parle en même temps. Non. Est-ce qu'on résout le problème? Nous autres, Dieu nous utilise pour résoudre un problème. Il faut que ça soit réglé à fond. Pas parce que c'est le prophète qui est venu. Où est Jésus là? C'est pas gratuit. Hein? C'est pas gratuit Jésus. On peut être le prophète de commerçant. Si c'est commerçant, il est en train de faire là. J'allais me mettre là toute la journée assis. Là. Chacun va prier une bouteille. Mais oui! Si il dit, paye bouteille, t'as terminé, tu t'es déplacé pour ça. Ce qu'il te dit là, ce que tu vas faire. Tu es obligé de faire ou je ne fais pas. Mais oui! Tu t'imposes 2 bouteilles, tu ne veux pas, je dis, monsieur, tu ne veux pas, dégage. Mais ce n'est pas du commerce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que c'est important de payer parce que ça, ce n'est pas le prophète Crasso qui fabrique ça. On achète ça qui cache. Et c'est moi une manière de soutenir le ministère. Mais écoutez, tant que je n'ai pas reçu un rhéma de Dieu pour intervenir dans ta vie, il sera difficile pour moi de m'engager sur ce terrain. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit à sa mère. Moi, j'ai eu une heure d'intervention. Tu ne sais pas. Amen. Vous savez, quand vous venez voir les prophètes, soyez très patients. Non, c'est la liste. Quand vous venez voir les prophètes, arrêtez vos systèmes, vos programmes, faites là. Arrêtez ça. C'est le mot là. Arrêtez ça. Parce que si Dieu ne m'a pas convaincu, on peut être ensemble. Lui, on est ensemble. Il y a des choses que je n'ai pas encore réglées. Vous m'avez dit sur le président, c'est le coup que j'ai couru, non? Qu'est-ce que vous avez dit? Le jour où Dieu me parle, je suis là à la maison. En train de prier pour lui. Frère, je sais ce qu'on appelle la spiritualité. C'est pas de l'amusement, c'est pas un jeu. Et puis vous allez venir pour jouer à vous.
La Bible dit que vous pouvez imposer les mains là. Il ne faut pas faire ça à la précipitation. Que Dieu me parle d'abord. Ça coûte quoi aux gens de dire, mais tu vois, non? Venez, bon, toi, ton problème, vas-y, c'est déjà réglé. Et c'est ce qu'ils avaient l'habitude souvent d'attendre quelque part là-bas. Moi, quel est l'esprit qui est derrière? Et vous savez bien qu'affronter un esprit, c'est pas une mauvaise affaire. C'est quand c'est fini, la réglé, là. Que je t'ai dit, va, c'est réglé, faut partir. C'est déjà réglé. Amen. Amen. Nous sommes entrés dans le monde de décembre. C'est un mois où je suis en train de faire tomber tous les sorciers. Amen. Les gens sont en route, ils sont en train de m'envoyer un enfant. Ils sont en route, ils m'ont appelé depuis Abidjan, ils vont venir. Heureusement, si nous trouvons pas mal de cul, gloire à Dieu. Ils sont en route. Il y a un petit qui veut manger son papa. Je lui dis, le petit, est-ce qu'on mange un papa? Non, il voit, c'est les sorciers qui lui parlent. Mais quand les sorciers te parlent, tu dis pas non. Non, il dit, ok. J'ai mis lance-roquette, j'ai préparé ça à la maison. Ma bouteille, là, vous connaissez ça, on a fait ça lance-roquette. J'ai versé ça sur l'enfant. Quand il a quitté la maison, l'enfant dit, il veut manger forcé. Toute la journée, il a dormi. Il s'est lève, il mange, il ne peut plus manger. Il n'a pas lu. C'est grave. On l'envoie. Il s'est lève. C'est là, je lui dis, lui, il veut manger son papa. J'ai dit, ok. Je vais te montrer. Ton papa, là, je l'ai prié pour lui, les choux, il a empoisonné. Ils sont en route. J'ai dit, il faut l'envoyer, je vais signer, je vais lui donner un visa de. Non, c'est un moment où je suis en train de m'amuser. Savez, quand vous venez ici, là, j'ai tous vos sujets. J'ai vos sujets. Dès que vous apprenez du beau, là, les sorciers sont commencent déjà à me combattre. Mais que sa chose veut te manger. Et moi, il dit non. C'est moi qui vais devoir combattre. Chaque jour, je suis confronté à ces esprits. C'est parce qu'ils ne mangent pas. Et c'est toute la grâce de Dieu d'ailleurs. Donc, vous, dans le Seigneur, vous devez prier pour moi. Vous êtes là fâchement. Il a dit à 5 heures du matin, ok. Mais aussi, dès que je quitte ma chambre, j'ai un sujet. Quelques les gens doivent mourir. Dieu me dit, vas-y. Je suis obligé de régler le problème. Discuter avec lui. Vous serez l'âme de cette personne. J'ai dit à ma fille, oui, tu es venu à une personne, tu sais que le prophète t'a aidé. Donc j'ai envoyé la personne. J'ai vu la personne. Je n'ai rien dit. Tu es venu chez moi manger, je t'ai invité chez moi. J'ai dit, je vais te recevoir. Sois patiente. Sois patiente. Vous venez, vous êtes fâché, vous pouvez vous arriver. Vous êtes déplacé d'Abidjan pour être ici. Pourquoi jouez-vous? Sinon, ça fait quoi? Je viens à 5 heures du matin. Ou même pour bien finir, je vais mettre en toge. Je vais porter mon boubou. Ah, le prophète, aujourd'hui, l'endroit, il a un boubou. Là, non, ça va. Ce qui nous touche, ça va marcher. Je ne suis pas le genre de prophète qui aime s'amuser. Parce que si je m'amuse, j'ai ça là. Ça aussi me va me tuer. Là où je suis là. Donc, je ne dois pas être dans le faux. Quand je sors de ma chambre chargée d'une onction, je t'impose les mains, ça règle ton problème. Amen. Je suis très patient. Vous vous fâchez, il est là. Le début m'a pas encore vu. Il dit qu'il allait nous recevoir. Je comprends. Mais le système humain, là, nous n'est pas trop dedans. Le jour, Jésus vivait chez Marie et Marthe à Bethanie. Jésus est en pleine croisade d'évangélisation. Et Marie, on envoie des messagers pour dire Lazare est malade, Lazare, l'homme que tu aimes, Lazare, celui que tu aimes, est malade. Intervient. Jésus n'est pas parti. Il est resté 4 jours. Si j'étais vous, j'allais frapper Jésus même. C'est quand Jésus, Lazare est mort, que Jésus est parti. Ils étaient tous fâchés. Il faut apprendre. Parce que la Bible, que celui qui marche selon l'esprit n'accomplit pas les œuvres de la chair. Non. Je ne suis pas là pour accomplir les trucs de la chair. Je me laisse conduire par l'esprit. Les esprits sont déclenchés, sont déchaînés, parce qu'ils doivent renouveler des pactes. Une transition. Nous sommes dans le mois de la transition. Du mois de décembre
au mois de janvier, il faut forcément Pâques de sang. Et comme tu as été programmé dans ta famille, ce dont on doit manger, je ne veux pas qu'on te mange. Donc j'ai avec beaucoup de problèmes. Nous, on ne fait que ça. Ici, là, on ne parle que de la sorcellerie et on ne règle que ça. Je me lève matin, je cherche à comment frapper un sorcier. Pas frapper, le faire terrasser. Terrasser un sorcier. Je réfléchis matin, comment régler le problème de la sorcellerie, c'est ce qui m'intéresse. Amen. Amen. Alors Jésus, il rentre à Béthanie, les gens commençaient à s'énerver pour dire, mais c'est trop tard. C'est tard. Et pourquoi c'est maintenant que tu viens? Pourquoi c'est maintenant? Lazare est déjà mort, c'est fini ça. C'est fini. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Mais Jésus, quand quelqu'un meurt, on le met où? C'est pas la tombe, on va te foutre de nous. Amen. Hein? Ne te fous pas de nous. Lazare est déjà mort. Il sent déjà. Et Jésus dit, allons-y. Lazare sort. Lazare est sorti. Amen. Amen. Jésus apprenait à comprendre l'esprit de Dieu. Il se laissait conduire. Il se laissait orienter par l'esprit de Dieu. Laisse-moi t'aider. Amen. Hmm? Amen. Laisse-moi t'aider. Faut pas m'amener à faire du faux. Non. Sinon, je peux m'asseoir pour vendre mes bouteilles d'huile. On paye ça, hein? C'est pas gratuit. C'est comme ça, un maçon pour dire paye. Ah oui, toi, mais les sorciers veulent te manger. Tu vas trembler pour prendre une. C'est bien qu'il dit, tu es venu pour ça. Si les sorciers veulent te manger demain, tu vas trembler pour aller prendre une. Même être endetté. On a un money, hein, non? Il y a un money, il y a un tel, son money. Il y a un mou, son money. Tu vas envoyer ça là-bas. Sorciers veulent te manger. Je ne vais pas dans le faux. Je ne vais pas dans le faux. Tout ce que j'ai fait, je les ai véritablement aidés. Amen. Non. On peut faire un ministère, hein, parler, je suis prophète, mais ce domaine-là, de la sorcellerie, là, il ne faut pas être dans du faux. Sinon, sorcier te mange. Il va te prendre. Quel sorcier j'ai envie de manger? Quand il a abordé le sujet du monsieur pour lequel j'ai envie de prier, mon pied, il y a eu cran. Mon antenne s'est tordue comme ça. J'ai pris lui, j'ai mis son. Puis il a dit, Seigneur, je ne veux pas. Son papa a droit de le manger. Son papa l'a déjà mangé. Il sait, si je le touche, frère, ce que je suis en train de régler dans ma chambre, c'est pas une messe à faire. Vous m'avez dit, c'est parce que je suis avec vous. Je n'aime pas familiariser mon ministère. Je vous salue, puis je suis devant. Parce que quand on est trop avec vous, vous nous prenez comme camarades. On est vos camarades. C'est ce qu'il dit aux gens. La tombe qui est dans la cour, et celle que le cimetière, on a pris celle du cimetière. C'est pas la même tombe. Où est-on dans la cour? Comme c'est ton, on est tellement. On dort à chauffer sieste. Mais la même tombe que tous les cimetières. Oui. Mais comme d'habitude, ton, c'est la maison, tu jouais ça, la dédié. C'est ça, c'est ce que je ne veux pas d'ailleurs. Me familiariser. C'est dangereux. C'est ça, Marie. Elle a dit, mon fils, fais miracle. Et elle dit, quand Jésus a fait le miracle, quand vous voyez dans Jean, là, dans le Jean, ils ont attaqué Jésus. On dit, mais on sait que le bon, mais allez-y, vas-y. Elle a dit, la minute, les gens, quand Jésus a fait le miracle, ils ont maintenant, leur dit-il, ils portaient-en à l'ordonnateur du repas. Mm-hmm. Et ils en portaient. Écoutez très bien. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, le sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Fit Jésus. Vous comprenez? Laissez-nous vous aider. Moi, je peux te faire passer au scanner. Au départ, mon ministère, je parlais beaucoup, et ça créait beaucoup de choses. Donc maintenant, je parle moins. J'ai dit aux gens, tu veux entendre des choses ou tu veux une solution? Il faut choisir. Non, je veux choisir.
Attends des choses, bon, d'accord, je dis des choses. Est-ce que tu peux régler ça? Moi, je cherche à régler ton problème. Vous savez, le prophète, c'est un apporteur de solutions, ce n'est pas un prieur. Bon, quand les gens m'appellent, non, c'est ça, ils font prier. Je ne prie pas pour les prier, toi. Je ne suis pas là pour prier. Ceux qui sont là pour prier les voisins, allez dans les églises, pasteurs, ils vont prier pour vous. Je ne suis pas pour ça. Je suis lui, je veux déracer ton sorcier. Moi, c'est mon problème, ça. Comment régler ton problème? Je suis pas un prier, non, c'est que, on va prier chaque jour, tous les soirs. Et je ne suis pas là pour prier tous les soirs, chaque jour. Ça, c'est le groupe d'intercession. C'est le groupe d'intercession. Donc, je suis appelé à prier.